Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette quatrième livraison sportive de ce jeudi 6 juin 2024. D-Day, jour J, Léo, éliminatoire mondial 2026, match de la troisième journée, le Sénégal va accueillir d'ici quelques heures la République démocratique du Congo. Et ce sera un arbitre libyen qui sera au sifflet pour départager les deux fauves. Les Lions de la Teranga du Sénégal reçoivent ce jeudi 6 juin 2024 les léopards de la RDC sous le coup de 19h GMT, hein, 20h heure de Kinshasa, au stade Abdoulaye Wade de Diam Niadio à Dakar, en match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de ce mondial. Pour cette rencontre importante pour les deux nations, la Confédération africaine de football CAF a jeté son dévolu sur l'arbitre libyen Ibrahim Moutaz Ibrahim. Signalons que l'arbitre libyen de 34 ans était déjà aux commandes de la demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2023, une demi-finale perdue 1-0 par nos fauves devant les éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur, et qui va d'ailleurs remporter cette CAN. S'il y a certitude côté arbitre qui va offrir ce match important pour la qualification au Mondial 2026, il y a par contre de l'incertitude quant à la diffusion de ce match sur la chaîne nationale congolaise, la RTNC. En effet, le gouvernement congolais n'aurait pas encore payé les frais de retransmission de ces matchs. C'est une situation qui risque malheureusement de frustrer de nombreux supporters de Léopard. Alors que l'équipe nationale de la RD Congo s'apprête à affronter les Lions de la Teranga du Sénégal ce jeudi 6 juin dans le cadre des éliminatoires du Mondial, les téléspectateurs congolais pourraient être privés de la retransmission de ce match. Selon certaines sources, les droits de diffusion TV détenus par la Fédération Internationale de Football Association n'auraient pas été payés, mettant ainsi en péril la retransmission de la dite rencontre. Une situation d'autant plus regrettable que les Léopards ont fait le déplacement jusqu'à Rabat au Maroc pour préparer ce match crucial en quête d'une qualification au Mondial 2026, et cela 50 ans après. Après ce stage de préparation au Maroc, l'équipe congolaise espérait pouvoir compter sur le soutien de son public, quoi qu'à distance, hein, pour affronter la redoutable sélection sénégalaise. Mais faute de paiement de droits TV, les supporters des Léopards risquent malheureusement de ne pas être en mesure de suivre en direct l'exploit de leurs joueurs sur le terrain. La Fédération congolaise de football, l'association, mais surtout les autorités gouvernementales sont donc appelées à trouver rapidement une solution pour permettre la diffusion de ce match tant attendu par les supporters congolais. Alors, la RTNC, une fois de plus encore, on parle de non-paiement des droits à télé pour pouvoir diffuser ce match important. C'est bien triste, hein, que cela arrive souvent la veille des grands matchs comme ça. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bah, je me pose la question, c'est la RTNC qui doit payer ou bien c'est le gouvernement? Bon, connaissant ce qui se passe au Congo, c'est sûrement le gouvernement. Comme vous l'avez dit encore, on s'y prend toujours à la dernière minute, donc ils vont essayer de gratter jusqu'à la dernière seconde. S'il n'y a pas possibilité, bah, soit le président de la République mettra la main à la poche pour que les plus de 100 millions d'habitants de la République démocratique du Congo puissent voir ce match autrement important. Donc voilà, bon, c'est dommage, mais de toute façon j'ai bon espoir que le match sera diffusé quand même à la RTNC.
Alors, ceci implique certainement plusieurs ministères. Hein. Il y a le ministère des Sports, bien évidemment, mais il y a le ministère des tutelles de la RTNC, qui est le ministère de la Communication et Presse, hein, Communication et Médias, qui est chapeauté toujours par le même ministre qui vient du gouvernement sortant et qui a été reconduit par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de Patrick Mouyaya, j'allais dire Patrick Poivre d'Arvor. Et il est clair que ça doit être son idole hein, quand il était encore journaliste du côté de CBS. Il est également l'argentier national, ce n'est plus Nicolas Cazadi, c'est un tout nouveau ministre qui est appelé hein, à diriger ce ministère qui doit aussi être impliqué, je pense, peut-être le ministère du budget aussi, mais c'est quand même dommage hein, qu'on ne puisse pas régler ce genre de situation en amont. Ce serait quand même aberrant de ne pas suivre ce match en direct à la chaîne nationale. Bon, ceux qui ont des bouquets Canal Plus n'auront aucun problème, mais la majorité des Congolais n'ont pas ce bouquet-là, et donc le gouvernement doit s'atteler justement à régler cette situation pour nous permettre de suivre ce match. Le match aura lieu à 20h de Kinshasa, 19h temps universel, et donc le gouvernement a le temps de pouvoir payer et nous permettre de suivre ce match en direct, un match plutôt capital. C'est vrai que dans ce groupe, par rapport au trio des têtes, il n'y a pas grand changement après le match qui a opposé le Togo. Nous allons en parler dans le sujet qui vient, où les Togolais n'ont pas en tout cas saisi leur chance à domicile hein, pour le compte de la troisième journée. Ils ont été tenus en échec, ce qui n'a pas vraiment bougé le classement, même si le Togo rejoint la RDC avec 3 points, mais la RDC a un bien meilleur goal différence que le Togo. Alors nous sommes le 6 juin 2024, un international congolais de Sébastien Desabre qui se trouve du côté de Dakar fête ses 26 ans. Il s'agit du gardien qui sera certainement le titulaire aujourd'hui, Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud qui est né un certain 6 juin 1998. Hein. Il a donc aujourd'hui 26 ans. Nous profitons hein, de ce jour pour lui souhaiter justement un heureux anniversaire. Et je sais que vous, nos nombreux abonnés en tout cas, vont pouvoir lui souhaiter aussi en commentaire. Je profite aussi pour vous remercier. Hein. Vous êtes nombreux hein, qui avez pensé à moi hier, mercredi 5 juin, jour de mon anniversaire. Merci pour vos vœux, je suis extrêmement content, et pour vos mots gentils. Nous allons donc continuer à travailler pour le bonheur hein, de tous les supporters de Léopard ou du football congolais tout court, parce que Diasco Foot est spécialisé justement à parler des footballeurs de la diaspora congolaise. Donc voilà, l'arbitre est connu, c'est un arbitre libyen qui connaît aussi la RDC, puisque celui qui était à la baguette lors de la demi-finale contre la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, match perdu, hein, la seule défaite des Léopards dans cette compétition sur les 90 minutes, c'était contre la Côte d'Ivoire, un but hein, de l'incontournable Aller qui s'est hissé aussi jusqu'en finale de la Champions League, malheureusement perdu contre la meilleure équipe du monde. Alors, quel souvenir gardez-vous de cet arbitre? Était-il impartial lors de ce match-là? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce un bon arbitre hein? Trop souvent, les arbitres maghrébins, en tout cas, nous posent parfois des problèmes. On a encore vu dernièrement, hein, lors de ce match amical entre nos joueuses et celles du Maroc, il y avait une arbitre tunisienne, hein, je crois, qui n'était pas à la hauteur de ce match. Espérons que M. Ibrahim Moutaz, Ibrahim, sera en tout cas différent. Mais j'imagine si la CAF choisit un arbitre pour officier la demi-finale, c'est que c'est un arbitre qui est quand même assez bien coté. Et sur ce match de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas aussi se plaindre des actions qui étaient vraiment contre nous. Nous n'étions pas vraiment à la hauteur de ce match-là. Je ne sais pas si l'enjeu était trop fort pour nous. C'est vrai qu'il y a eu le but annulé, mais pour moi, il a été annulé à juste titre. Tu sais pas si c'était le but de qui? Cédric Bakambu, je crois. C'est mes souvenirs. Bon, mais en tout cas, il y avait une faute sur le gardien. Donc pour moi, cet arbitre, je ne me souvenais même pas qu'il avait arbitré le match face à la Côte d'Ivoire. C'est dire que son match était exemplaire, donc il était exempt de tout reproche ce jour-là. Espérons aussi qu'il soit aussi exempt de tout reproche ce soir, et que le résultat soit désormais en notre faveur.
Tout ce qu'on peut dire, c'est souhaiter bonne chance hein, à nos fauves dans ce match très capital. Hein, un match qui va peut-être décider de qui hein, va chapeauter finalement ce groupe. Parce que très clairement, le Soudan qui se déplace du côté de la Mauritanie aujourd'hui aussi, je vois mal cette équipe aller battre la Mauritanie là-bas, mais en football, tout est possible. Et donc, le match qui va opposer les Lions de la Teranga du Sénégal pourrait décider hein, de qui sera à la tête du classement dans cette troisième journée. Je rappelle qu'après le match du Togo contre le Soudan du Sud, le Sénégal reste en tête avec 4 points suivis du Soudan. 4 points également, la RDC 3e avec 3 points, le Togo 4e avec 3 points et c'est le Soudan du Sud qui monte d'un cran, qui passe à la 5e place avec 2 points et la Mauritanie dernière hein, avec un petit point, mais la Mauritanie joue aussi tout à l'heure face au Soudan. Merci à vous qui nous avez suivis, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de souhaiter un heureux anniversaire à Dimitri Berthaud, le gardien qui sera probablement titulaire du côté des perches des Léopards de la R. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Un maximum de j'aime, likez s'il vous plaît cette vidéo et merci une fois de plus avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir.